debout sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tend à peu près son langage. « Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. » Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vous vient au fromage, sans doute. » Le corbeau entré confus jura un peu tard qu'on ne lui prendrait plus.